بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه وسلم تسليما كثيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنحن في موعد نسأل الله عز وجل أن يرضى عنا فيه لآخر درس من دروس هذه السلسلة المباركة نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها فيما يتعلق بأحوال الآخرة وما بعد الموت إلى دار الخلود وقد وصلنا اليوم وهو آخر هذه الدروس عن الجنة وأصحابها. Donc nous sommes arrivés à la au dernier cours de cette série de cours sur la demeure dernière. Et nous sommes arrivés donc au dernier cours qui est sur le paradis Al-Janna. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من فضله وأن يدخلنا الجنة أجمعين. والجنة طبعا كما ذكرنا قبل ذلك لن يدخل أحد الجنة إلا بشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم أعني به محمد بن عبد الله فهو الذي يفتح له باب الجنة كما سبق وهو أول من سيدخل الجنة. Donc comme on avait déjà cité précédemment, personne ne rentrera au paradis sans l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la porte du paradis ne sera ouverte que pour lui sallallahu alayhi wa sallam. Ce sera donc lui le premier qui rentrera au paradis. Mohammed ibn Abdillah, afdalul khalq, la meilleure des créatures, wa afdalul anbiya wa rusul, le meilleur des prophètes et des messagers. فهو أول الأنبياء دخولا le premier des prophètes à rentrer au paradis ومن بين الأمم فأمته أول الأمم دخولا الجنة. Et entre les communautés et les peuples, la première communauté à rentrer au paradis est bien sûr la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les musulmans, les musulmans. Ce seront les premiers à rentrer au paradis comme ce seront les premiers à être jugés le jour de la résurrection. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة. En fait, il a dit, nous sommes les derniers, c'est-à-dire dans les communautés, nous sommes les derniers à venir. Nous sommes dans chronologiquement dans l'existence de l'humanité, nous sommes les derniers à être venus. C'est-à-dire après les juifs, après les chrétiens et après toutes les communautés. Et nous sommes les premiers, le jour de la résurrection, à être jugés et les premiers à rentrer au paradis. وروي عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أن بعد أمة النبي صلى الله عليه وسلم سوف يدخل أمة عيسى عليه السلام ثم أمة الأنبياء على هذا الترتيب إلى أن ينتهى بنوح عليه السلام وقومه. Il a été rapporté de certains compagnons, Abdullah ibn Salam, que après la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sera la communauté de Jésus Isa alayhi salam, puis les prophètes, ainsi jusqu'à finir par Noé, Nuh alayhi salam, et sa communauté. Donc c'est le contraire et l'ordre chronologique dans cette vie. الناس في الجنة أقسام وطوائف فإذا الناس في الجنة أقسام وطوائف
وقد اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الجنة وأهل النار فرأى أكثر أهل الجنة الأغنياء ورأى أكثر أهل النار فرأى أكثر أهل الجنة الفقراء ورأى أكثر أهل النار الأغنياء والنساء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà vu le paradis et l'enfer et a vu que la plupart des gens et la plupart des habitants du paradis étaient les pauvres. Al-aghniya ou al-du'afa, les faibles et les pauvres, et que la plupart des habitants de l'enfer, humul aghniya ou ce sont les riches. Comme ja'a al-mutakabbirun wa kadhalika ra'a akthara ahli an-nar an-nisa. Il a vu aussi la plupart des habitants de l'enfer, les femmes. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا هم اكثر اهل النار اي النساء قال تكفرنا تكثرنا اللعنه وتكفرنا العشير. C'est-à-dire que il a expliqué aux femmes pourquoi ce sont elles qui sont le plus grand nombre d'habitants de l'enfer. Il a dit car elles multiplient les lamentations et le fait de critiquer et d'insulter, وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرِ, et elle renie le bien du mari. وَالْجَنَّةُ وَالْنَارُ مَوْجُودَتَانِ الْآنِ وَمَخْلُوقَتَانِ. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. Le paradis et l'enfer ont déjà été créés et existent déjà. Et ils ne seront pas créés le jour de la résurrection car elles sont déjà présentes. ويدل عليه الأحاديث الكثيرة والآيات الكثيرة. Beaucoup de versets coraniques et de hadiths prophétiques le montrent. ويطول ذكرها. هذا مذهب الحق. Ça c'est le مذهب de la vérité, inshallah. Et la parole la plus authentique. Et هو مذهب أهل السنة والجماعة. فحينما يدخل المؤمن الجنة ذكر أن يبلغ خبر ذلك كل حوراء في الجنة وكل زوجة لهذا الإنسان الذي يدخل الجنة أن زوجها قد أقبل. Il a été rapporté que lorsque le musulman et le croyant rentrent au paradis, son épouse, min hur al-ayn, parmi les vierges du paradis, entend alors son arrivée. فتبعث قيمها. Elle envoie alors le servant حتى يستقبله في الجنة, afin qu'il le reçoivent au paradis. فَحِينَمَا يَرَاهُ يَخِرُّ لَهُ قِيلَ سَاجِدًا. Il se prosterne alors devant le servant. وَهُوَ لَا يَدْرِ مَنْ هُ فَيَقُولُ لَهُ إِرْفَى رَأْسَكَ فَإِنَّمَا أَنَا قَيِّمُكَ وَكِلْتُ بِكَ. Il lui dit alors lève ta tête, je ne suis que ton servant pour te servir. وَذُكِرَ أَنَّهُ يَمْشِي فِي الْجَنَّةِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ صَفَّانِ كلهم من غلمانه ومن خدمه. Il marche alors au paradis et autour de lui à sa droite et à sa gauche des rangs qui n'en finissent pas de servants, simplement ses serviteurs. ويمر في الجنة فيرى القصور ويرى الخيرات وكل هذه الخيرات تقول له نحن لك كلنا نحن لك. Nous sommes pour toi les châteaux, les maisons, tous les biens et les délices du paradis l'appellent en lui disant nous sommes ton bien et tes biens et nous sommes pour toi. فَيَفْرَحُ حِينَ إِذٍ فَرَحًا لَوْ قُدِّرَ لَهُ الْمَوْتَ لَمَاتَ مِنْ هَذَا الْفَرَحِ. Et alors, il sent alors un réjouissement et une joie que s'il pouvait mourir, il mourrait de cette joie, mais il ne mourra pas. وَيُقَالُ لَهُ أَنَّ هَذَا الْفَرَحِ يَبْقَى أَبَدًا. Et on lui dira alors que cette joie restera à l'éternité. Donc à ce moment-là, lorsqu'ils rentreront au paradis, comme on avait déjà cité, ils auront alors l'image et l'apparence des gens du paradis. Et on les habillera des habits du paradis, et ils seront revêtus aussi des ornements et des bijoux du paradis. Et on citera tout cela, inshallah. فَقَتْ مِمَا تَعَلَّقُ بِسُورَةِ أَهْلِ الْجَنَّةِ concernant
l'image des gens du paradis. فقد جاء في الأحاديث أن أهل الجنة سوف يكونون جردا مردا بيضا جعادا مكحلين أبناء 33 ويكونون على خلق آدم أي 60 ذراعا وعرضهم 7 أذرع. Dans le hadith, il est venu qu'ils auront, c'est-à-dire leurs images sera et leurs créations changeront. Et leurs créatures changeront, c'est-à-dire qu'ils seront de la taille de 30 mètres, c'est-à-dire de 60 coudées. C'est la taille de Adam alayhi salam. Et leur corpulence et leur largeur sera de 7 coudées, c'est-à-dire de 3 mètres et demi environ. In qila annahu dhira'un ka dhira'ina. Si on dit que le coudé, ce sera cette mesure que l'on connaît, c'est-à-dire la coudée dans cette vie. Wa qila ghayru dhalik. Et ils auront tous le même âge. À la milad in wahid, ils auront l'âge de Isa alayhi salam. À la milad Isa, c'est-à-dire 33 ans. Tous les gens du paradis auront 33 ans. Sawa an mata sariran ou kabiran, qu'ils soient morts, petits ou grands. Lorsqu'ils seront au paradis, ils auront tous le même âge. Wa sawfa yakununa murdan kama qulna, c'est-à-dire qu'ils seront imberbes. Ils n'auront pas de barbe. Wa yakununa mukahhalin, ça veut dire qu'ils auront comme lorsqu'on le met du corps, c'est-à-dire au niveau des yeux. À la suratin ajmali ma yakun. Donc ils seront tous beaux. Sawa an-nisa ou ar-rijal, que ce soit les femmes qui rentreront au paradis ou les hommes. Kama sanara. Wa biran, ils seront de couleur blanche. Ji'adan. Ji'adan ay aj'ad ash-sha'r. C'est-à-dire qu'ils auront les cheveux frisés et non pas raides. Parce que c'est un attribut et une caractéristique des cheveux qui est aimé auprès des Arabes. Que la langue des gens du paradis sera l'arabe. C'est-à-dire que les gens au paradis parleront en arabe. Et ils auront tous la beauté du prophète Yusuf alayhi salam. كل ذلك مما يتعلق بسورة أهل الجنة. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة فأخبر أنهم على سورة القمر ليلة البدر والذين يلونهم على سورة أشد كوكب دري في السماء إضاءة. Prophète sallam a aussi informé et nous a informé que le premier groupe qui rentrera au paradis seront à l'image de la lune dans les nuits de pleine lune, et que le deuxième groupe sera à l'image de l'étoile la plus scintillante et la plus étincelante qui se trouve dans le ciel, et à chaque groupe qui viendront après ce sera moins que cela. فهذا فيما يتعلق بدخول الناس الجنة والجنة هي طبعا عظيمة عظيمة القدر وعظيمة الاتساع. Il faut savoir que le paradis, c'est une créature qui est gigantesque. وقال الله عز وجل سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. La largeur du paradis est la largeur des cieux et de la terre. عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Elle a été préparée pour les pieux et pour les serviteurs d'Allah عز وجل. ونعيم الجنة لا ينفد أبدا. Les délices et ce qu'il y a au paradis sont des délices qui ne s'arrêtent jamais. قال الله عز وجل ما عندكم ينفد وما عند الله باق. Ce qu'il y a auprès d'Allah Azza wa Jal perdure et ne s'arrête pas. Et ce qu'il y a auprès de nous dans cette vie ne perdure pas et est futile et éphémère. وقال الله سبحانه وتعالى أكلها دائم وظلها. Que ce soit les choses qui sont mangeables au paradis ou que ce soit l'ombre qui est créée par les arbres et qui est formée par les arbres, tout cela ne s'arrête jamais au paradis. أكلها دائم وظلها فالجنة نعيمها باق وهو رزق الله عز وجل
ما له من نفاد. Il n'aura certes pas de fin. وَلِلْجَنَّةِ أَبْوَابٌ كَمَا تَعْلَمُونَ. Bien sûr, le paradis a des portes. قال الله عز وجل يدخلون عليهم من كل باب. وجاءت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للجنة ثمانية أبواب. Est venu dans les hadiths prophétiques que le paradis a 8 portes. كما في حديث عمر بن الخطاب عند مسلم للذي يتوضا ويحسن الوضوء ثم يرفع بصره إلى السماء فيتشهد شهادة الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك يعني في الحديث فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخلها يدخل من أيها شاء. Dans le hadith qui est connu, la faveur des ablutions est celui qui fait après le témoignage de foi en levant son regard vers le ciel et il aura la récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit seront ouverts pour lui, c'est-à-dire le jour de la résurrection, les 8 portes du paradis afin qu'il rentre par celle qui veut. Wa fil hadith as-sahih عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة أبوابا وأن أهل الصلاة يدخلون من باب الصلاة وأهل الصيام يدخلون من باب الريان وأهل الصدقة يدخلون من باب الصدقة وأهل الجهاد يدخلون من باب الجهاد. فيقول أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ما على أحد من ضرورة دعي من أيها دعي فهل يدعى من كلها أحد يا رسول الله أو كما قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نعم وأرجو أن تكون منهم. Dans le hadith authentique, le prophète sallam a dit certes les gens qui auront fait des prières dans cette vie, les gens qui faisaient beaucoup de prières seront appelés par la porte de la prière, c'est-à-dire la porte du paradis qui s'appelle la porte de la prière, babu salat. Et ceux qui auront beaucoup jeûné seront appelés par la porte du jeûne qu'on appelle babu rayyan. نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة. Ce seront que les jeûneurs qui rentreront par cette porte. الريان وهو مشتق من الري. Dans la langue arabe, ça vient étymologiquement de ray, qui est le fait d'être abreuvé. Comme ils ont été assoiffés dans cette vie à jeûner des jours très longs et de ne pas boire pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azzawajal les fera entrer par cette porte où ils n'auront plus jamais soif. Wa ahlus sadaqa, les gens qui faisaient des aumônes rentreront par la porte de l'aumône. Wa kadhalik ahlul jihad yadkhuluna min bab al jihad. فقال النبي عليه الصلاة فقال أبو بكر أبو بكر demande alors au prophète عليه الصلاة والسلام dans le hadith est-ce que des gens seront appelés par toutes ces portes. Et le prophète والسلام répondra alors oui certes des gens seront appelés par toutes ces portes et j'espère que tu feras partie par ces gens et tu feras partie de ces gens. فأبو بكر رضي الله عنه كما تعلمون هو أول من سيدخل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد نبيها. أبو بكر sera le premier homme de cette communauté, c'est-à-dire les musulmans, à rentrer au paradis après le prophète محمد صلى الله عليه وسلم. فأبواب الجنة عظيمة المقدار وقد ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بين مصراعين من مصاريع الجنة وبين عضارتي الباب كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرة وفي بعض الأحاديث بينهما 40 سنة. C'est-à-dire qu'entre les deux extrémités de chaque porte du paradis, entre les deux battants de chaque porte du paradis, il y aura comme il y a entre la Mecque et Bousra. Bousra, c'est un endroit en Syrie-Palestine, comme le prophète sallam l'a cité. Et dans d'autres hadiths, كما في حديث عقبة بن غزوان عند مسلم 40 سنة, c'est-à-dire qu'il y a entre les deux extrémités de porte 40 ans, c'est-à-dire 40 ans que quelqu'un pourrait parcourir en 40 ans, la distance que quelqu'un pourrait parcourir en 40 ans. وإنه ليأتين عليه يوما وهو كظيم من الزحام كما قال رضي الله عنه في خطبته أي عقبة بن غزوان. Et un jour viendra où les gens rentreront alors que ce sera une masse et une foule, alors qu'il y a cette distance entre les deux extrémités de la porte. Min kathrati ahli al-jannah, tellement il y aura des gens du paradis et les habitants du paradis. Wa ruwiya anna bayna al-babayni
سبعون عاما والله تعالى أعلم, et la distance qu'il y a entre chaque porte du paradis, et non pas entre les deux extrémités mais entre chaque porte, 70 ans, c'est-à-dire la distance qu'on peut parcourir en 70 ans, والله تعالى أعلم. كل ذلك يدل على سعة الجنة, tout ça montre la largeur et la grandeur du paradis, qui est une créature gigantesque. وفي الجنة طبعا جنات ومنازل ودرجات, bien sûr, comme l'enfer a des degrés, mais des degrés qui vont de plus en de bas et de plus en plus bas. للجنة درجات, le paradis a des degrés qui vont de plus haut, de haut et de plus en plus haut. درجات ومنازل. وجاءت في الحديث أنها مئة درجة, dans un hadith il est venu qu'il y a 100 degrés. بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أي 500 عام, qu'il y a entre chaque degré comme il y a entre la terre et le ciel, c'est-à-dire 500 ans. كما بين الجنة كما بين السماء والأرض وأن أعلى هذه الدرجات الفردوس, et comme elle est venue dans le hadith que le degré le plus haut du paradis, c'est le degré qu'on appelle Al-Firdaus. Al-Firdaus Al-A'la. وَقَلَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ, dans le hadith qui est authentique, le prophète sallam قال إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهِ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ, lorsque vous demandez à Allah Azza wa Jal, demandez-lui Al-Firdaus. فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ, Allah Azza wa Jal قادر, Allah Azza wa Jal est certes capable de donner à son serviteur Al-Firdaus. وليس ذلك على الله بيسير بعسير فالإنسان يطلب من الله أفضل ما يكون, musulman il se doit de demander à Allah عز وجل la meilleure des choses. فاسألوه فردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة, il a dit الفردوس هو أعلى الجنة, c'est-à-dire c'est l'endroit le plus haut du paradis. ووسط الجنة, et en plus que c'est l'endroit le plus haut, c'est le milieu du paradis. وسط الجنة وأعلى الجنة. قال العلماء هذا يدل على أن الجنة والله تعالى أعلم على صفة القبة. Certains savants ils ont dit ça montre que le paradis a en réalité l'apparence comme une espèce de coupole, ou en tout cas cette forme là, parce que pour qu'une chose soit au milieu et en même temps soit la chose la plus haute, il faut qu'elle ait cette forme. أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقها عرش الرحمن, et au-dessus de l'Firdaus, le prophète صلى الله عليه وسلم il y a le trône du miséricordieux, c'est-à-dire le trône d'Allah عز وجل. ومنها تفجر أو تفجر أنهار الجنة, et de cet endroit, c'est-à-dire l'Firdaus, comme il est au-dessus, en sort les rivières et les sources du paradis. أنهار الجنة, les rivières du paradis. أعلى الجنة ووسط الجنة الفردوس الأعلى. وكما جاء في الحديث عند البخاري حديث أم حارثة وهي امرأة مات ابنها في غزوة بدر وفي معركة بدر. Une femme qui s'appelait أم حارثة, son fils حارثة est décédé en martyr dans la bataille de Badr. Hadith authentique d'après البخاري. فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام في معنى ما قالت أنه إما يكون في الجنة وإما سترين ما أصنع, يعني من البكاء والحزن. دير على دير قبل السلام, s'il n'est pas au paradis, نعم, tu verras ce que j'aurai, c'est-à-dire dans le sens de tristesse et comment je pleurerai. فقال النبي عليه السلام أهبلتي, est-ce que tu es devenue folle؟ أهي جنة واحدة هي, est-ce que c'est un seul jardin؟ إنها لجدان كثيرة, c'est certes beaucoup de jardins. وَإِنَّهُ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى, إِنَّهُ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى, c'est-à-dire son fils il a certes, وَإِنَّ أَبْنَكَ لَأَصَابَ الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى, il est certes arrivé au Firdaus, c'est-à-dire le degré le plus haut du paradis. فَهِيَ مَنَازِلْ وَدَرَجَتْ عَلَى حَسَبِ الْأَعْمَنِ, en fonction des actions et des œuvres pieuses, la personne se trouvera plus ou moins dans un degré ou dans le gré qui sera plus haut. وقد جاء في القرآن أن الآباء الصالحين, c'est-à-dire les gens qui ont été pères dans cette vie et qui ont eu des enfants,
qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera monter en degré leur descendance et leur progéniture, même si leurs œuvres n'avaient pas ce degré-là, mais simplement pour que leurs pères, qui sont dans nos degrés plus hauts au paradis, pourront les voir et pourront passer des temps agréables avec leurs enfants au paradis. قال الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم في القراءة الأخرى ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألثناهم من عملهم من شيء أي ما أنقصناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Sans que leurs œuvres des pères et de leurs pères ne soient diminuées. ولكن من فضل الله عز وجل mais par faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala et par grâce d'Allah عز وجل الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمله من شيء كل امرئ بما كسب رهين. قال بعض العلماء يشمل كبار الأولاد وصغارهم. Les ulama, ils ont dit, certains savants, ils ont dit, cela englobe les enfants, qu'ils soient même grands, c'est-à-dire même s'ils ont été adultes. Et certains savants ont dit c'est simplement les enfants qui étaient et qui sont morts avant la puberté. Wallahu ta'ala a'lam. وجاء عن هلال بن عن حميد بن هلال أنه قال بلغنا أن في الجنة معنى في معنى ما قال أن أهل الأعلى يزورون أهل الأسفل ولا يزور أهل الأسفل أهل الأعلى أو كما قال رضي الله كما قال رضي الله عنه. C'est-à-dire que les gens qui auront des degrés hauts pourront visiter ceux qui ont des degrés bas. Mais les gens qui auront des degrés plus bas ne pourront pas visiter les gens qui auront des degrés plus hauts au paradis. وَذَلِكَ لِنُقْصَانِ أَعْمَالِهِمْ Parce que leurs œuvres et leurs actions auront été moindres. وَقِيلْ حَتَّى لَا يَرَوْا حِنَمَا يَتَزَاوَرُونَ وَيَرَوْا أَهْلَ الْجَنَّةِ الَّذِينَ هُمْ أَعْلَوْا مِنْهُمْ حَتَّى لَا يَرَوْا مِنَ النَّعِيمِ مَا لَا يُدْرِكُونَهُ فَيُصِيبُهُمُ الْحُزْنِ. Certains savants, ils ont dit, pourquoi ils ne pourront pas visiter les gens qui seront plus hauts que eux dans le paradis, afin qu'ils ne voient pas certains délices du paradis que eux ne pourront pas avoir. Ils seront par cela tristes. Or, dans le paradis, il n'y a pas de tristesse. Allahu ta'ala a'lam. Wa fil jannati an-nasu sayatazawwarun kama akhbara Allah 'azza wa jalla fil Qur'an. Na'am, qala Allah wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Na'am. قالوا إنكم كنتم قالوا إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم كما في سورة طور وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين. Toutes ces histoires, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a relaté dans le Coran nous montre que les gens du paradis se visiteront les uns envers les autres. Ils se visiteront. وسيركبون نجاء البير كما روي وإن كان في بعض الإسناد ضعف qu'ils se visiteront et monteront sur des montures et des chamelles blanches. وسيركبون على خيل سريعة من ياقوتة حمراء وجناحان من ذهب كما روي في بعض الأحاديث ضعيفة. Et même si on cite certains hadiths comme on a déjà cité de chaînes de transmission faibles, فنحن الآن في باب فيما يسمى بالترغيب والترهيب ونحن في الترغيب الآن. فجوز العلماء ذكر الحديث الضعيف إن لم تكن ضعيفة جدا في هذا الباب. Donc dans ce genre de chapitre qui est le chapitre du paradis et de l'enfer ou de ce genre de choses, afin d'appeler les gens à faire du bien et de les faire écarter à faire du mal, on peut citer certains hadiths qui sont faibles tant qu'ils ne sont pas très faibles dans la chaîne de transmission كما ذكر العلماء. Et tant que ne sont pas associés à cela, al-ahkam al-shara'iyya, c'est-à-dire les jugements islamiques. Donc ils monteront au paradis, ils pourront montrer aussi sur, monter sur des montures, c'est-à-dire des chevaux, en rubis, c'est-à-dire en rubis, c'est-à-dire en perles précieuses et en pierres précieuses rouges, et qu'ils auront des ailes en or. Sari'atun wa yatiruna fil jannati kayfa sha'u. Ils pourront voler au paradis comme ils voudront. هذا فيما يتعلق بالدرجات والمنازل. وتعلمون أن في الجنة منزلة هي أعلى منازل الجنة
وَلَا تَنْبَغِي إِلَّا لِرَجُلٍ وَاحِدٍ. Il y a certes au paradis, sans parler du Firdaus, il y a une paradis, une place, qui est la plus grande place, et la place la plus honorée, et la meilleure des places, et le meilleur degré qu'un homme puisse atteindre, et qu'un seul homme pourra atteindre. Et ce sera certes la place au paradis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car c'est la meilleure des créatures. وهذه المقامة تسمى الوسيلة. Cette place, on l'appelle الوسيلة. قال النبي عليه السلام كما في الحديث الصحيح. ثم سلوا لي الوسيلة. فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. وأرجو أن أكون أنا هو. Dans le hadith authentique, le prophète il a dit, c'est-à-dire après l'adhan, parmi les du'as de faire l'adhan, il a dit, et demandez, c'est-à-dire Allah Azzawajal, pour moi, al-wasila. Il a dit, al-wasila hiya manzilatun, c'est-à-dire un degré, fil janna, au paradis, la tanbari illa li abdin min ibadillah, qu'un seul serviteur parmi les serviteurs d'Allah pourra atteindre. A'la darajatin fil janna, kama ja'a fi hadith akhar inda Ahmad. A'la darajatin fil janna, wa arju an akuna anahu, et j'espère. Il a dit le prophète sallam cela par modestie, et j'espère être cette personne. وهو الذي سوف يكون ويبلغ هذه المنزلة الرفيعة عند الله عز وجل الوحيدة وتسمى الوسيلة. والجنة طبعا في الجنة قصور وبنيان وخيام وغرف. Dans le paradis, il y a des habitations, comme vous savez. Il y a des châteaux, il y a des tentes, il y a des chambres, al-ghuraf. Comme il y a dans le Coran, ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyya tajri min tahtiha al-anhar. Et en dessous d'elle coulent des rivières, des chambres, na'am, et des habitations. Wa ja'a fil hadith, an-nabi alayhi as-salam su'ila anil jannati wa ma bunyanuha. Le prophète a été questionné sur le paradis et ses habitations. Comment il est construit? Comment sont construites les habitations du paradis? Faqala alayhi salatu wassalam labinatu fidda wa labinatu dhahab milatuha al misk al azfar ay al misk al khalis hasba'uha al lu'lu' wal yaqut wa turabuha al za'faran. Dans ce hadith, il a répondu, il a dit, c'est-à-dire les briques des habitations du paradis sont alors des briques d'argent ou des briques en or. Wamilatuha, c'est-à-dire le ciment ou la chose qu'on met entre les briques pour façonner, c'est du musc pur. Al misk al adfar al khalis. Wahasba'uha al lu'lu wal yaqut. Et les pierres et les cailloux qui se trouvent au paradis, ce sont toutes des pierres précieuses. وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانِ. Et la terre du paradis, et le sol et la terre, c'est du safran. كَمَا جَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَفِي أَحَادِثِ أُخْرَى. Dans d'autres paroles prophétiques, Nabi Al-Salam قال اُتْخِطُ الْجَنَّةِ فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكِ. C'est-à-dire qu'il a dit dans ce hadith aussi que la terre, et la terre au paradis, c'est du musc. قال في حديث آخر درمكة بيضاء. الدرمكة قال العلماء هو دقيق الحوارة. C'est-à-dire c'est comme de la farine. درمكة بيضاء, la farine blanche, مسك خالص, la farine blanche qui a l'odeur du musc et du musc. فلعل بعضها زعفران وبعضها مسك. Peut-être que dans certains endroits ce sera du safran et d'autres du musc. والله تعالى أعلم. هذه تربة الجنة. نعم. وفيما تعلق بقصورها فجاءت أن القصر الواحد في الجنة لؤلؤة واحدة مجوفة كالخيام. C'est-à-dire les châteaux ou les tentes au paradis, la tente au paradis, al-khayma, elle sera d'un seul diamant et d'une seule pierre précieuse. Mujawwafa, qui sera creusée au milieu, afin de pouvoir habiter dans cette tente qui est en réalité une pierre précieuse. Naam. Wa al-ghuraf, les différentes chambres qu'il y aura au paradis. Qala an-nabi alayhi salam anna fil jannati ghurafan
يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. C'est-à-dire on peut voir l'intérieur de l'extérieur et l'extérieur de l'intérieur. من صفائها, par sa clarté et sa pureté. فقيل له أي أعرابي, un bédouin, alors posez la question au prophète sallam, لمن هي, pour qui, à qui sont destinées ces chambres. فقال لمن طيب الكلام وأطعب الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. Il a dit pour ceux qui ont été doux dans leurs paroles envers les gens, la douceur dans les paroles, وأطعم الطعام, et qui aura nourri les pauvres, وأدام الصيام, et qui aura perduré le jeûne, وصلى بالليل والناس نيام, et qui aura fait la prière la nuit alors que les gens étaient en train de dormir. كل ذلك لأولياء الله عز وجل, tout cela pour les pieux et pour cela pour les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. ويشمل ذلك كله حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث القدسي قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ومصداق ذلك في كتاب الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. حديث où le prophète dit, certes Allah Azza wa Jal dit, j'ai certes préparé à mes serviteurs vertueux et mes serviteurs pieux ce que ni un œil a pu voir, ni une oreille a pu entendre, ni un cœur a pu ressentir. Là, c'est le résumé de ce qu'on peut trouver au paradis, et nous, Inch'Allah, on va le détailler. Mais tout ce qu'on va dire, ce n'est simplement pour nous quelque chose qu'on peut imaginer, mais qu'on n'arrive pas réellement à comprendre. Et on pourra le comprendre que si on rentre, Inch'Allah, fi Jannah, sallallahu alayhi wa sallam. فهذه الغرف والبنيان في الجنة والقصور في الجنة قصور عظيمة. وقد جاء في حديث مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرني يا الله عز وجل, حديث بالمعنى, أن أبشر خديجة, أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب ليس فيها صخب ولا نصب. رضي الله عنه الحديث الأنتيك إلى ذي سخط الله, ou comme il a dit, certes Allah m'a ordonné d'annoncer la bonne nouvelle à Khadija, c'est-à-dire son épouse, radiallahu anha, qui est mort pendant sa vie, la vie du prophète sallam, Khadija, bi baytin fil jannah, d'une maison au paradis, min qasab, en roseau, wa hiya qasabul lu'lu, en roseau formé de perles précieuses et de pierres précieuses, min lu'lu, min qasab laysa fihi sakhab wa la nasab, où il n'y aura pas de cri de sahab wa la nasab, ni de fatigue. Wa fil jannati tab'an anhar, bien sûr au paradis il y a des rivières. Kama qala Allah azza wa jalla wa akhbar an dhalika fa qala Allah ta'ala mathalul jannati allati huwa idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghayri asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. Trois sortes de rivières au paradis. وهي تتشقق من بحار كما جاء في الحديث. Ça veut dire que ces rivières viennent à la base de quatre mers qui se trouvent au paradis. نهر كما قال الله عز وجل نهر من ماء غير آسن أي غير متغير الريح والطعم. Une rivière d'eau pure, qui n'a pas, dont l'odeur n'a pas changé, donc il n'y a pas d'odeur désagréable, ni le goût n'a changé, une eau pure. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu, des rivières de lait qui n'a pas changé de goût et n'a pas fermenté. Anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Wa anharun min khamrin ladhdatin lish-sharibin, des rivières de vin, ladhdatin lish-sharibin, du vin, laïsa ka khamri dunya, qui n'est pas comme le vin de cette vie. La, qala Allahu azza wa jal, bayda ladhdatin lish-sharibin, un vin qui sera blanc, de couleur blanche. Bayda ladhdatin lish-sharibin, sera une douceur et un délice pour ceux qui le pourront le boire. Bayda ladhdatin lish-sharibin, la fiha ghawl,
كما قال الله عز وجل ولا هم ينزفون لا فيها غول لا فيها المغص c'est-à-dire il n'y aura pas de colique personne qui pourra boire de ce vin il n'aura pas après de maux de ventre comme il arrive pour ceux qui boivent du vin dans cette vie لا فيها غول ولا هم ينزفون ولا هم عنها ينزفون أي لا تنزف عقولهم لا تذهب عقولهم c'est-à-dire que ce vin ne fera pas partir leur raison ne fera pas partir leur idrak leur sentiment et leur raison comme ça arrive pour ceux qui boivent le vin de cette vie وطبعا من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة celui qui boit le vin dans cette vie il ne le boira pas au paradis نعم كما جاء في الأحاديث وقال الله عز وجل لا يصدعون عنها أي لا يصيبهم الصداع n'auront pas de maux de tête après avoir bu ce vin فهو خمر لذيذ نعم وفي الصفاء نعم il aura donc un vin qui sera pur il n'y aura dans ce vin que la douceur et que le délice du fait de le boire قال أنهار من خمر اللذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى un miel qui sera pur نعم مصفى أي خالص من فضلات النحل وغير ذلك نعم عسل مصفى كل ذلك لأصحاب الجنة أنهار نعم تتفجر من جبال المسك كما روي عن بعض الصحابة qui sortent de certaines montagnes de musc comme il a été rapporté de certains compagnons أنهار تتفجر ولا تظنون أن أنهار الجنة أخدود في الأرض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ne pensez pas que les rivières du paradis sont نعم dans des fosses comme c'est dans cette vie c'est-à-dire on voit des rivières qui sont dans des fosses ça roule là أنهار الجنة تجري على وجه الأرض les rivières du paradis comme le prophète sallam l'a dit coulent au-dessus du paradis coule au-dessus du sol. Ce n'est pas à l'intérieur. Kama yadhunnu al-ba'd. Tajri min tahtiha al-anhar ala wajhi al-ard. Elle coule au-dessus et elle ruisselle au-dessus du sol même. Wa min anhar al-janna kama ta'lamun al-kawthar. Comme vous savez, parmi les rivières du paradis, certaines rivières nous ont été rapportées leur nom. Et parmi ces rivières, il y a al-kawthar. قال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر ما هو الكوثر قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة أتدرون ما الكوثر قالوا الله ورسوله أعلم قال هو نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير donc il a dit certes c'est une rivière qu'Allah que mon Seigneur m'a promis c'est un cadeau qu'Allah عز وجل a donné à son prophète Mohammed sallam Et c'est une rivière qu'il lui a donnée au paradis qui est le Kawthar. Un cadeau d'Allah à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa sifatuhu mithlu sifati anhari al-janna wa mithlu sifati al-hawd alladhi dhakarnahu fi min arasati yawm al-qiyam. On avait cité le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a parmi les scènes des scènes du jour de la résurrection. On avait cité que le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam al-hawd ma'uhu يجري من نهر الجنة الكوثر. On avait dit que l'eau du bassin du prophète Al-Salam, le jour de la résurrection, provient نعم, de l'eau de la rivière de l'Kawthar et descend par des mizab. نعم, من mizab الذهب وفضة. Il descend directement et provient du paradis et de la rivière du paradis. Al-Kawthar. فماؤه donc son يعني c'est-à-dire la La description de l'eau de l'Kawthar, c'est la même description que l'eau du bassin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme on a visité, c'est-à-dire plus blanche que le lait, et plus meilleure que le miel, na'am, et plus doux que le zubd, c'est-à-dire que le beurre. Et comme on avait cité, na'am, وَتَرِدُهَا طَيْرٌ أَعْنَاقُهَا مِثْلُ أَعْنَاقِ الْجُزُرُ c'est-à-dire des oiseaux qui auront la taille dans leur cou, auront la taille d'à la cou des chameaux qui viendront s'abreuvoir au niveau de Al-Kawthar kama ja'at bidhalika al-ahadith هذا ما يتعلق بأنهار الجنة وطبعا
تجري من تحتها الأنهار كما قال الله عز وجل وأكثر الله عز وجل من ذكر الأنهار الله سبحانه وتعالى cité souvent ces rivières du paradis والجنة ريها كثير فأشجارها كثير طبعا le paradis bien sûr il y a beaucoup d'arbres قال الله تعالى ذوات أفنان ذوات أفنان أي أغصان قال لمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان الذوات أغصان Les arbres qui auront beaucoup de branches وفي الآية الأخرى مدهامتان من اشتباك الأشجار tellement les arbres seront nombreux et ils auront beaucoup de branches et beaucoup de feuilles elles rentreront les unes dans les autres نعم وقال الله عز وجل أكلها دائم وظلها. Cela veut dire que comme les gens pourront boire, pourront manger des fruits de ces arbres, bimana, c'est-à-dire que les fruits de ces arbres ne s'arrêteront jamais. Ce n'est pas des fruits qui viennent dans certaines saisons et après ne sont plus là dans certaines saisons, na'am, ou alors des fruits qui ne sont pas mûrs à certaines périodes de l'année. La, قال الله عز وجل لا مقطوعة ولا ممنوعة. Les fruits du paradis, ils ne s'arrêtent jamais. لا ممنوعة لا تمتنع عن أصحاب الجنة ولا هي مقطوعة وأشجار الجنة وأوراقها لا تسقط أبدا Les feuilles des arbres du paradis ne tomberont jamais parce qu'Allah عز وجل قال أكلها دائم وظلها c'est-à-dire l'ombre les ombres qu'il y aura de paradis ne s'arrêteront jamais فيستظلون أصحاب الجنة بهذه الأشجار Les gens du paradis pourront s'abriter et s'abriteront à l'ombre de ces arbres. فيتحدثون et ils parleront les uns avec les autres. ويتذكرون ما أصابهم في الدنيا من نصب أو زلات أو طاعات et ils parleront les uns envers les autres de ce qu'il y a pu arriver dans cette vie, d'erreurs qu'ils auront pu faire, de péchés qu'ils auront pu faire, ou au contraire de bonnes actions. Ils parleront dans certaines personnes qui étaient avec eux et qui sont maintenant walayadu billah parmi les gens de l'enfer. Ijlis akhi inshallah. Ijlis barakallahu fik. Wa yakun fil janna ou d'autres qui seront au paradis ou d'autres choses, ils pourront parler à l'ombre de ces arbres. Wa hadhihi al-ashjar ja'a fi hadith 'an an-nabi alayhi salam anna laysa fil jannati shajaratun illa wasaquha min dhahab. Le prophète il a dit dans un hadith qu'il n'y a pas un arbre au paradis sans que son tronc soit en or. الساق ساق الشجرة من ذهب. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صفة عجيبة عن نخل الجنة. Où il a décrit Abdullah ibn Abbas, le turjuman du Coran, le cousin du prophète et le traducteur, qui a été surnommé le traducteur du Coran. وطبعا هذه الأمور, même si ça vient de la part d'un compagnon et non pas du prophète lui-même. هذه الأمور لها حكم الرفع كما يقول العلماء c'est-à-dire que le jugement de ce genre de choses que nous dit le compagnon ne peut avoir c'est-à-dire c'est le compagnon n'a pu entendre cela que de la bouche du prophète عليه السلام même s'il ne l'a pas dit parce que ce sont des choses l'اجتهاد فيه il ne peut pas avoir de رأي c'est-à-dire de raison là-dessus c'est des choses simplement qu'il a pu entendre du prophète عليه السلام il ne peut pas les imaginer فقال أخبر أن النخل في الجنة جذوعها من زمرد أخضر Il a dit que le tronc, les troncs du palmier au paradis sera d'émeraude vert. وَكَرَبُهَا ذَهَبٌ أَحْمَرٌ قَالُوا الْكَرَبُ قَالُوا هُوَ أَصْلُ السَّعَفِ C'est-à-dire la base des palmes, c'est-à-dire des branches du palmier, sera en or rouge. وَالسَّعَفُ Et les palmes, c'est-à-dire les branches du palmier, كِسْوَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ Ce seront les habits des gens du paradis. قال منها مقطعاتهم وحللهم. C'est-à-dire de ces branches de palmier, ils pourront prendre, c'est-à-dire les gens du paradis prendront leurs habits, c'est-à-dire les habits et والحلل والمقطعات كما قال. قال وثمارها أي ثمار هذه النخيل les fruits de ce palmier وثمارها أمثال القلال Waddila, c'est-à-dire que leurs fruits seront comme des jarres, comme des grandes cruches ou grandes jarres, c'est-à-dire la taille de ces fruits, énorme.
أبيض أشد بياضا من اللبن. Ses fruits seront plus blancs que le lait. وأحلى من العسل, est meilleur que le miel. وألين من الزبد, est plus doux que le beurre. نعم. ثم قال ليس فيه عجم. والعجم هو النوى. Ça veut dire que dans ses fruits, il n'y aura pas de noyau. Parce que lorsque quelqu'un mange un fruit et tombe sur un noyau, c'est moins dans le délice. Na'am. وفي الجنة اللذة ليس لها انقطاع. Or, dans le paradis, le délice ne s'arrête jamais. Donc, il n'y a pas de noyau dans ses fruits. Na'am. ومثل الشيء, يعني مثل ما سنذكر في الشراب, on citera aussi concernant le boisson et les nourritures, inchallah, on citera après concernant les gens du paradis, que c'est un délice qui ne s'arrête jamais au paradis. Un délice qui ne s'arrête jamais, et même plus que cela, c'est un délice qui ne va que en croissance, qui ne cesse de croître. Parce que s'il cessait de croître, c'est-à-dire il cessait d'être de mieux en mieux, ce délice-là, les gens du paradis, yusibuhumul malam, ils auront alors un ennui. Wala malala fil janna, wala dajjar. Il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas d'ennui au paradis. Falladhatu la tanqati wa hiya fi izdiyad. Donc le délice, il est toujours en train de croître au paradis. À chaque fois que tu manges quelque chose, ce que tu vas manger après, même si ça ressemble à ce que tu as mangé, ce sera mieux. Dans tous les cas. Et à l'éternité comme cela. À chaque fois que tu vas manger quelque chose, ce sera toujours mieux. Et à chaque fois que tu vas boire quelque chose, ce que tu vas voir après sera toujours mieux. Et chaque gorgée que tu vas boire, la deuxième gorgée sera meilleure. C'est exactement le contraire de ce qui nous arrive ici dans cette vie. Nous, lorsqu'on le mange, quand quelqu'un a faim, lillahi al-mathalu al-a'la, quand quelqu'un a faim, na'am, il commence à manger. La première bouchée, c'est la meilleure. Ça. La deuxième, elle est un peu moins. Et les dernières, c'est les pires. Tu as du mal à finir ton repas. Tu as du mal à finir ton assiette. Et même, si quelqu'un il va trop loin, la dernière bouchée, il a envie de vomir. Au paradis, c'est le contraire. Al-aks. Tamam. لأن الجنة دار نصب. عفوا. لأن الدنيا دار نصب. Parce que cette vie, c'est une vie de fatigue. Et une vie d'ennui. Na'am. وهو سجن المؤمن. C'est une prison pour le croyant. وفي الجنة العكس تماما. Alors qu'au paradis, c'est le contraire. C'est une vie de bonheur. Un bonheur qui ne cesse de s'arrêter. Qui ne s'arrêtera jamais. فشجر الجنة نعم وجاءت نعم من شجر الجنة ذكر فيها شجر الطوبة. Certains savants ont cité شجر الطوبة الذي جاء في القرآن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم قيل أنها شجرة وفي الجنة شجرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها. Dans le hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit qu'il y a certes au paradis un arbre que si un cavalier parcourait son ombre pendant 100 ans, il ne finirait pas, Naram, de parcourir son ombre. Et dans certaines versions, c'est un cavalier qui ira très vite. Mudam marun sari'un jawad. Wa min shajaril janna shajaratun 'azimatun wa hiya a'zam. Wa min a'zami hadhihi shajara wa hiya sidratul muntaha. As-sidratul muntaha, qu'on traduit par le as-sidra, en français c'est ce qu'on appelle le jujubier. C'est un arbre as-sidra, c'est-à-dire c'est un arbre qui a des épines. Wa huwa ma'ruf. Wa sidratul muntaha, c'est le jujubier céleste, c'est-à-dire wa fi as-sama'i as-sabi'a, dans le septième ciel. Il se trouve dans le septième ciel. Et c'est comme une voûte. C'est comme une voûte pour le paradis. Ya'ab wa lis-samawati, pour les cieux. وقد راى النبي صلى الله عليه وسلم هذه السدره العظيمه. Le prophète sallam il l'a vu ce jujubier céleste, sidrat al muntaha, comme akhbar Allah fi al quran. Na'am. Sidrat al muntaha indaha jannat al ma'wa id yaghsha al sidrat ma yaghsha fayaghshiha wa yaghshaha hadhihi al sidra umuran azima yaghshiha nur al rabb jalla jalalu, la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala qui recouvre déjà cet arbre. والملائكة نعم تغشيها الملائكة كالغربان. Les nombreux et nombreux anges نعم qui la recouvrent tels des corbeaux. ويغشيها فراش من ذهب, des pavillons en or. وألوان متعددة,
et des couleurs différentes et variées. كما قال النبي عليه السلام لا أدري ما هي. Je ne sais même pas quelles sont ces couleurs. ولا يستطيع أحد أن ينعتها. Et personne ne pourrait décrire ces couleurs tellement elles sont nombreuses. هذه السدرة المنتهى. ولا يظن أن السدر لأن السدر في الدنيا ستار. Le jujubier cidre له شوك. Il a des épines. ولكن في الجنة هذه الجنة هذه الشجرة ليس لها شوك. فقد خضض الله هذه الشوك. Allah سبحانه وتعالى il aura coupé, il aura fait enlever et couper ses épines. كما قال الله تعالى في سدر مخضود. مخضود أي أن شوكها قد خضد. C'est-à-dire que ses épines ont été coupées. في سدر مخضود. نعم. وفي مكان كل هذه الشوك شوكا منها ثمرة. Et à la place de chaque épine, il y aura un fruit. نعم. عظيم. وأري النبي عليه السلام سدرة المنتهى كما قلنا فرأى نبقها والنبق هو ثمر السدر. C'est-à-dire le fruit de cet arbre qu'on appelle un nabaq. نبقها مثل قلال هجر. De la taille des jarres. De cette région qu'on appelle Hajar. قلال هجر وأوراقها وورقها مثل آذان الفيلة. Et les feuilles de cet énorme arbre avaient la taille des oreilles d'éléphant. كما وصفها النبي عليه السلام comme l'a décrit le prophète عليه الصلاة والسلام. فهذا ما يتعلق بأشجار الجنة. وطبعا ثمار الجنة ثمار الجنة يعني من هذه الأشجار les fruits du paradis qui sortent de ces arbres. فعلى سبيل المثال النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث أريت أو رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. Le professeur il a dit j'ai certes vu le paradis, j'ai essayé d'attraper une grappe, c'est-à-dire une grappe de raisin du paradis, et si je l'avais prise, il ne lui avait pas été permis bien sûr de la prendre, vous en aurez mangé jusqu'à que l'humanité et cette vie seraient finies. La akaltu minhu ma baqiyat ad-dunya. Wa ja'at anna hajm hadha al-unqud, c'est-à-dire la taille d'une grappe de raisin du paradis, مسيرة شهر للغراب الأبقع لا يفطر ويطير. C'est-à-dire la distance que pouvait parcourir un corbeau pendant 100 ans. نعم. مسيرة شهر pendant un mois qu'il pourrait parcourir sans jamais s'arrêter. Ça c'est la simplement la taille de l'unquz, c'est-à-dire d'une grappe de raisin qu'il pourrait avoir au paradis. وثمار الجنة قيل أن أسماء ثمار الجنة هي أسماء الدنيا لهذه الثمار. C'est-à-dire que les noms des fruits du paradis seront les noms des fruits de cette vie, c'est-à-dire des pommes, des raisins, des oranges, comme on connaît. ولكن طبعا الأشكال مختلفة. Mais bien sûr les formes et les odeurs et les goûts ne seront bien sûr pas de la même chose. قال ابن عباس ليس في الدنيا من الجنة إلا الأسماء. ليس في الدنيا من الجنة إلا الأسماء. الله ابن عباس il a dit il y a dans cette vie du paradis que les noms, simplement. Mais, comme on a dit, les sortes et les apparences et les goûts et les odeurs sont totalement différents. Et les gens du paradis qui pourront manger des fruits, lorsqu'ils mangeront d'autres choses ou d'autres fruits, ils pourront ressembler à ces fruits qu'ils viendront de manger, comme on a dit. وَأُتُوا بِهِمْ مُتَشَابِهَا كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Mais les odeurs, mais les goûts seront toujours meilleurs. Toujours meilleurs. هَذَا مَتَعَلَّقُ بِثِمَارِ الْجَنَّةِ. وأما طعام أهل الجنة وشرابهم concernant bien sûr ce qu'ils vont manger les gens du paradis et ce qu'ils vont boire. فذكرنا منها بعض الأمور, donc on a cité certaines choses. ومنها كما تعلمون الرحيق المختوم. الرحيق المختوم قال ابن مسعود الرحيق هو الخمر. الرحيق هو الخمر. عبد الله بن مسعود a dit c'est du vin. المختوم أن الذي يشربها يجد عاقبتها ريح المسك. Ça veut dire à la fin. Et après, juste à la suite de l'avoir bu, ce vin-là, il trouvera l'odeur et le goût du musc. مما يشربه أهل الجنة من عين تسمى سلسبيلة.
وَكَذَلِكَ مِنْ عَيْنٍ تُسَمَّ تَسْنِيمٍ. Tasnim, c'est le nom d'une source au paradis. وَهِيَ كَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ibn Abbas, أَشْرَفُ شَرَابِ أَهْلَ الْجَنَّةِ وَتَسْنِيمٍ. Ça veut dire la boisson préférée, la meilleure des boissons que pourront boire les gens du paradis, c'est Tasnim, c'est cette source de Tasnim. يَشْرَبُ الْمُقَرَّبُونَ يَشْرَبُهُ الْمُقَرَّبُونَ صِرْفًا وَتُمْزَجُ لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ. هكذا قال ابن عباس. الله ابن عباس il a dit المقربون. طيب في أهل الجنة في الجنة في قسمان من الناس. Il y a deux sortes de personnes au paradis. Deux grands groupes. Il y a المقربون السابقون الأولون كما قال الله عز وجل أولئك المقربون. Il y a les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. السابقون في الخيرات. Ceux qui ont fait les bonnes actions, les œuvres pieuses, ceux qui sont les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. فهؤلاء كما جاء في القرآن هم سيشربون من الأنهار مباشرة صرفا. Eux ils pourront boire des sources du paradis comme la source de Tasnim directement. Ils boiront directement des rivières. أما القسم الثاني, la deuxième catégorie des gens du paradis, وهم أصحاب اليمين. ما أصحاب اليمين في سدر مخضود إلى آخر الآية. أصحاب اليمين وهم الأبرار. Ce qu'on appelle أصحاب اليمين, les gens de la droite, et c'est ce qu'on appelle الأبرار, c'est-à-dire les pieux, نعم, ou les bienfaisants, الأبرار. فهؤلاء تمزج ويمزج لهم من هذا الشراب. C'est-à-dire on mélangera avec d'autres boissons de la source de Tasnim ou de ces sources-là. كما قال الله عز وجل في آخر سورة المطففين إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم. Donc ce sera mélangé, التسنيم, avec autre chose pour eux, parce qu'ils ont un degré inférieur au degré des مقربون. قال الله عز وجل ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون يشرب بها مباشرة من المقربون. المقربون ils pourront boire directement de cet endroit. عينا يشرب بها المقربون. نعم. Donc ces deux catégories de gens au paradis, même chose concernant les récipients, الآنية, les récipients ou les bijoux aussi, الحلي, comme on verra après, que pourront mettre ou utiliser les gens du paradis. فالمقربون المقربون, eux, ils pourront boire et ils auront comme bijoux de l'or. الذهب. Et ils seront dans des jardins en or. Tout ce qu'il y a dans ces jardins, ce sera en or. جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. Et deux jardins qui seront en argent. Tout ce qu'il y a dedans, ainsi que les récipients et les bijoux seront en argent. Et ça, ce seront pour les gens de la droite. Ashab al-yamin al-abrar. Parce que l'argent, bien sûr, est dans un degré moindre que l'or. Na'am. Kullun bima kasaba rahim. Na'am. Wa li kullin darajatun mimma amilu. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malu. Kama qala Allah azza wa jalla. Chacun, il aura en fonction de ses actions. لا يظلم أحد أبدا لا يظلم أحد شيئا. Personne ne sera lésé de quoi que ce soit. فإذا الآنية والشراب كما ذكرنا والثمار والطعام وأهل الجنة كلما يشتهون شيئا سوف يكون لهم. Faut savoir que la grande règle, c'est qu'au paradis tout ce qu'on veut on l'a. Il a été rapporté dans certains hadiths أن المؤمن في الجنة سوف يرى طيرا في الجنة. Il verra un oiseau au paradis en train de voler. فيشتهي. Il aura envie de le manger. فيخر بين يديه مشويا. Alors l'oiseau tombera devant lui, نعم, rôti. Et il pourra manger de cet oiseau. كل ما تريده في الجنة لك. الصعب أن تدخل الجنة. Ce qui est difficile, c'est de rentrer au paradis. Après au paradis, khalas, t'as l'amour. Wa libas ahli al-jannah ma hiya? Taban ahli al-jannah سوف يكون لهم لباس. Wa
من لباس الجنة السندس والاستبرق. قالوا السندس هو ما رق من الحرير والاستبرق ما غلظ منه. السندس هي soie qui est légère et fine, de couleur verte qu'auront سندسين خضر كما قال الله عز وجل, de couleur verte que pourront porter les habits des gens du paradis. واستبرق, c'est-à-dire de brocart, ils auront aussi des habits de brocart. Le brocart, c'est-à-dire la soie qui est plus lourde. ومن لبس طبعا الحرير في الدنيا لم يلبسها في الآخرة كما قال النبي عليه السلام. La soie qui est l'habit même, mais le tissu même des gens du paradis nous a été interdit pour nous. Nous a été interdit pour nous, c'est-à-dire les hommes, et non pas les femmes, dans cette vie de revêtir de la soie, afin de pouvoir le mettre au paradis. Même chose pour le fait de boire ou de manger dans des récipients d'or et d'argent. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين عن حذيفة لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. Nous a interdit de manger ou de boire dans des récipients d'or et d'argent. Et il a expliqué pourquoi, il a donné la raison. Il a dit parce que ce sont pour eux dans cette vie, c'est-à-dire les musulmans, les mécréants, et pour vous dans l'au-delà. Même chose pour le hari, même chose pour la soie. لباس من سندس واستبرق وغير ذلك من أنواع اللباس الفاخرة والحلي. طبعا الحلي سوف يكون الحلي, والحلي في الجنة كما قال الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله, الحلي في الجنة أحسن للرجال من النساء أو كما قال. C'est-à-dire les bijoux au paradis qui seront sur les hommes seront mieux que sur les femmes. C'est l'inverse de cette vie. والحلي طبعا من ذهب أسويرة, des bracelets من ذهب وفضة, d'or ou d'argent. وسوف يكون للمؤمنين كذلك أكاليل, ils auront aussi des couronnes de diamants et de perles précieuses. من اللؤلؤ والياقوت, نعم, متواصلة, ومن الدر وغير ذلك, de perles précieuses et autre chose qu'ils auront. لو أن لؤلؤة واحدة وأدنى لؤلؤة منها, la perle précieuse ou la pierre précieuse la moins étincelante de cette couronne de perles précieuses, si elle apparaîtrait dans cette vie, نعم, la أضاءت ما بين المشرق والمغرب, نعم, elle aurait rendu sa clarté entre l'Orient et l'Occident. والحديث فيه ضعف. وعلى كل حال كل ذلك لأهل الجنة من الحلي العظيم. ونعم مما يتعلق بالطعام فيه شيء وهو أول ما يدخل ما أول يأكله أهل الجنة في الجنة. Quelle première chose les gens du paradis pourront manger lorsqu'ils rentreront au paradis. هذا أجاب النبي عليه السلام, ça c'est une réponse du prophète عليه السلام. Il a répondu à Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam هو صحابي جليل, c'est un compagnon noble du prophète عليه السلام. وكان يهوديا, c'était un juif. Et c'était wa huwa kan min ulama al-yahudi, c'est parti des savants parmi les juifs. Falamma jaa yani wasala an-nabiy sallam al-Madina, lorsque le prophète sallam est arrivé à Médine, Abdullah ibn Salam il a posé des questions pour savoir si c'était réellement un prophète. Wa mimma sa'alahu anhu, parmi les questions qu'il lui a posées, il lui a dit ma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah aw yat'amuhu ahlul jannah, quelle est la première chose que les gens du paradis vont manger. Fa ajab an-nabiy sallam qala ziyadatu kabidi hut. Ziyadatu kabili hu, c'est-à-dire un énorme poisson, naam, dont les gens du paradis pourront manger d'une partie de son foie. Ziyadatu kabili hu. Wa ja fi hadith akhar 'inda Muslim annahu yahudi, naam, sa'alahu la adri hu Abdullah ibn Salam wa yuhu fa qala madha wa madha sayakunu ghidha'uhum 'ala ithriha, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils mangeront. Fa hadith takun tuhfatuhum, ça sera leur premier cadeau du paradis, ils pourront manger d'une partie du foie de ce poisson. Ensuite, quel sera leur déjeuner après cela, à la suite de ce premier cadeau et de on va dire de cet hors d'œuvre. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ينحو له ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها, c'est-à-dire on égorgera pour eux le taureau du paradis qui mangeait de min أطرافها, ça veut dire qu'il mangeait des pâturages, des différents pâturages du paradis, et ils mangeront de ce taureau. نعم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا أول ما سيأكل أهل الجنة في الجنة.
ونعم وكذلك أهل الجنة سوف يكون طبعا لهم فرش ويعني زرابي كما أخبر الله عز وجل وفرش مرفوعة نعم دي لي et des fauteuils على الأرائك ينظرون des fauteuils et des canapés où ils pourront s'étendre où ils pourront se prélasser أينما شاءوا وكيف شاءوا comme ils voudront et à l'endroit au moment où ils voudront ils pourront avoir ces fauteuils et ces canapés وبين الفراشين كما بين السماء والأرض entre chaque lit il y aura comme il y a entre le ciel et la terre peut-être c'est-à-dire certains savants ils ont dit peut-être que c'est ce qu'il y a entre deux comme on avait cité entre deux degrés du paradis وسوف يكون لهم الوسائد والمخاض كما قال الله عز وجل ونمارق مصفوفة والنمارق وجمع نمرقة c'est-à-dire les oreillers ils auront des oreillers et des coussins où ils pourront s'étendre نعم dessus et s'accouder ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة الزرابي هي حسان وجياد البسط c'est-à-dire des tapis des meilleurs tapis qui puissent exister où ils pourront aussi se prélasser زرابي مبثوثة مبثوثة ها هنا qui seront à chaque endroit نعم وزرابي مبثوثة وقال الله عز وجل في سورة الرحمن متكئين على فرش بطائنها من استبرق بطائنها من استبرق Ils seront étendus sur des tapis dont l'intérieur de ces tapis sont en brocart. Bata'inuha min istabraq. Qala ibn Mas'ud. Idha kanat il bata'inu min istabraq fama dhannuka bid dhahair. Abdullah ibn Mas'ud il a dit si l'intérieur de ces tapis sont en brocart, qu'est-ce que tu pourrais penser de l'extérieur? Fama dhannuka bid dhahair. Bata'inuha min istabraq wajana al jannatayn dan. Aywa tab'an. نسينا أن أبيت سيتي وجنى الجنتين دان جنى الجنتين دان c'est-à-dire que les fruits qui sont sur les arbres du paradis il n'y a pas besoin d'une échelle pour aller les chercher là كما قال الله عز وجل جنتين دان قطوفها دانية c'est-à-dire les branches c'est elles qui se rapprochent du croyant qui est allongé sur son fauteuil au paradis il voit un fruit dans l'arbre il veut le manger c'est le fruit qui vient à lui قطوفها دانية الله أكبر كل ذلك لأصحاب اليمين il nous reste encore des choses à citer dans la description du paradis et on n'en a pas fini on va essayer inshallah de résumer un maximum نعم وقال الله عز وجل متكئين على رفرف خضر أي رياض الجنة ما يكون على شاطئ الأنهار من الأزهار والين بلوزه de l'herbe verte رفرف خضر وعبقري حسان والعبقري هو أحسن ما يكون من البصر c'est-à-dire la meilleure, les meilleurs tapis qui puissent exister نعم العبقري c'est un nom en arabe un mot qui veut dire cela c'est-à-dire quelque chose qui est dans l'exception وعبقري حسان وطبعا في الجنة كما تعلمون فيه نساء وفيها نساء وحور عين il y a certes des femmes les femmes du paradis qui sont les vierges chastes du paradis حور العين وهي إنشاء من الله عز وجل أنشأهن إنشاء Allah subhanahu wa ta'ala les a créés na'am les a créés d'une création tout à fait différente wa hurun 'ayn ka'amthal al-lu'lu' al-maknun ka'amthal al-lu'lu' al-maknun ay ka'amthal qila al-lu'lu' al-maknun ay al-bayd al-na'am certains ils ont dit c'est-à-dire l'œuf d'autruche na'am ay yadi alladhi yakunu fi ar-ram qui est encore dans le sable qui est caché cet œuf qui est l'œuf le plus recherché et le plus pur qui puisse exister. وَقِيلْ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونَ Certains, ils ont dit, c'est comme la perle précieuse qui se trouve encore dans sa coquille. Ce qu'on appelle la nacre de perle, qui se trouve encore dans son coquille. كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونَ قِيلْ أَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونَ أَيْ فِي رِقَّتِهِمْ Dans leur tendresse et dans leur douceur, ces femmes-là du paradis, comme la douceur de cette de l'espèce de peau blanche que tu trouves après la coquille d'œuf. Na'am. Ka'amthalihim ka'amthal al-lu'lu' al-maknun fi riqqatihim. Ka'amthal al-lu'lu' al-maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Wa qala Allah 'azza wa jalla hinama wasafa yani nisaa' ahli al-janna qala wa na'am illa 'ibada Allah al-mukhlasin ulaa'ika lahum rizqun ma'lum fawaakih wa hum mujtahun fi جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم
بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين. قاصرات الطرف, ça veut dire que ces femmes qui sont les plus belles qui soient, elles ne regarderont que le croyant à qui elles ont été données. قاصرات الطرف, ça veut dire elles ne regardent pas autre part, elles ne le regardent que lui. قاصرات الطرف عين عين أي ضخام العيون, ça veut dire qu'elles auront des yeux très grands. حور عين أي بيض, ce sont des femmes qui seront de couleur blanche et des yeux de couleur très noire et des cils très longs. وهو من أحسن ما يكون في النساء كما قال العلماء, ça c'est la les attributs et la description des femmes, il n'y a pas à avoir des femmes plus belles que celles-là. فهي حور العين, c'est les vierges chastes du paradis. نعم كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون و نساء أهل الجنة ليست فقط حور العين, il n'y a pas simplement les vierges du paradis. فيه نساء المؤمنات, il y a bien sûr les femmes croyantes, les femmes musulmanes et croyantes qui sont mortes et qui sont rentrées au paradis. Elles sont rentrées au paradis par leur adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala, bi'ibadatihim Allah azza wa jalla, parce qu'elles ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala par leur prière, par leur jeûne, par tout cela. Falahum fadlun wa lahunna fadlun ala huril 'ayn fil janna, elles seront meilleures dans leur beauté, na'am, que les vierges chastes du paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé lui-même. الذي هي انشاء انشاء من الله عز وجل, comme on a dit, les vierges du paradis, c'est une création qu'Allah عز وجل a créée, na'am, et c'est des exceptions dans cette création. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا, bien sûr elles sont vierges, فجعلناهن أبكارا عربا أترابا عربا أترابا, on revient dans la description de حور العين, عربا أترابا, قال العلماء عربا أي متحببات إلى أزواجهن, ça veut dire elles aiment leur mari et elles leur montrent qu'elles les aiment et elles n'aiment que simplement. عربا أترابا أترابا أي في ميلان الواحد وسن الواحد, c'est-à-dire elles sont dans le même âge, elles ont toutes le même âge. نعم كما تقول مثلا هذا إنسان تربي, تقول تربي, ça veut dire c'est mon jumeau, celui qui l'a, ou celui qui a mon âge, il a le même âge que moi, تقول تربي. عربا أترابا لأصحاب اليمين. و إذن نساء أهل الجنة من المؤمنات, les femmes croyantes et pieuses seront meilleures dans leur beauté et dans toutes choses que les vierges chastes du paradis. يرى المؤمن مخ ساقهما أو مخ ساقها من وراء ثيابها وجلدها ولحمها كما جاء في الحديث. Tellement les femmes du paradis, que ce soit les vierges chastes, حور العين, ou que ce soit les femmes croyantes qui seront encore meilleures qu'elles, la personne le croyant pourra voir la moelle de leurs os, de derrière leurs habits, leur peau et leur chair. Min safa'ihim, tellement elles seront pures et tellement elles seront blanches. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas s'imaginer. Na'am. Wa nisa'u ahli al-jannati wa hurul 'ayn, طبعا جمالهن عظيم وعجيب, leur beauté sera incomparable. وجاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم في الجنة خير من الدنيا وما فيها, la distance d'un arc ou la distance, simplement la longueur d'un pied au paradis est meilleure que dans cette vie de cette vie et que tout ce qu'il y a dans cette vie. قال ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة لطلعت إلى الأرض لأملأت, نعم, لأضاءت ما بينهما, لأضاءت ما بينهما في بعض الروايات لأذهب الضوء الشمس والقمر. Si une femme du paradis se présenterait et se montrait sur la terre, نعم, elle en illuminera tout ce qu'il y a entre l'Occident et l'Orient. Et dans certaines versions, elle en ferait partir la lumière du soleil et de la lune. C'est-à-dire, la lumière du soleil ne serait rien comparée à la lumière de cette femme. وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا أي ريح المسك, et de l'Orient en Occident, il y aurait après son passage, نعم, que l'odeur du musc. وَلَنَصِيفُهَا أي عَلَى رَأْسِهَا يَنِي الْخِمَارِ, son voile sur sa tête, وَلَنَصِيفُهَا
خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا est meilleur que ce qu'il y a dans cette vie, et ce qu'il y a dans cette vie, comme le prophète alayhi salatu wasallam l'a dit. كل هذا من صفات نساء أهل الجنة وطبعا كما تعلمون الله سبحانه وتعالى سوف يزوج المؤمن بهؤلاء حور العين وبنساء أهل الجنة الله سبحانه وتعالى mariera les croyants du paradis avec ses femmes, ces vierges chastes. Il les mariera avec elles ainsi qu'avec leurs épouses qu'ils avaient dans cette vie. Et dans le hadith, le prophète il a informé que chaque croyant aura 72 femmes. 70, sab'oun, min hur al-ayn, parmi les vierges chastes, et 2 parmi les femmes, yani min al-adamiyat, parmi les femmes, parmi la descendance d'Adam. Ithnain wa sab'oun azawja. Wa kullu zawjatin mimma dhakarna sifataha. Et toute femme, comme on a cité parmi la description de chaque femme, et avec ça, il en a 72. Et lorsqu'il sera avec cette femme, il ne sera jamais ennuyé et elle ne sera jamais ennuyée de lui. Et ils auront télé tous les délices qu'il pourra avoir et avec ça on lui dira tu en as encore 71 autres. Et il sortira et il ira voir les 71 autres femmes. قال الله عز وجل وزوجناهم بحور العين. زوجناهم بحور العين. On les mariera avec des حور العين. وقال الله سبحانه وتعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون في شغل فاكهون. Certes, les gens du paradis seront dans une occupation. ما هذا الشغل؟ قال عبد الله بن عباس وابن مسعود شغلهم افتضاد الأبكار. شغلهم افتضاد الأبكار. Leur occupation au paradis, ce sera d'avoir des rapports intimes et des relations avec les femmes vierges. شغلهم افتضاد الأكبار. طبعا في الجنة جماع. Nabi alayhi salam su'il, le prophète alayhi salam, il a été questionné. Afil jannati yani yatanakaha ahlul janna, est-ce que les gens du paradis auront des rapports? Faqal na'am. Qal bidhakari la yamal wa shahwati la tanqati' dahman dahma. C'est-à-dire que les rapports intimes qu'il y aura entre les époux au paradis, c'est des rapports qui ne s'arrêtent jamais, où il n'y a jamais d'arrêt. Parce que l'arrêt, c'est un qita' dans l'adda. C'est-à-dire que le désir s'arrête. La abadan. C'est-à-dire que le croyant, l'homme, au paradis, awalan yu'ta lahu quwwatu mi'atin rajul. Comme il est venu en certains dans sa hadith. Il aura la force de 100 hommes. Que ce soit dans le fait de manger, de boire. Il pourra boire et manger ce que 100 hommes peuvent boire. Et que ce soit dans le fait d'avoir des rapports. Et shahwa est dans le désir, etc. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذكر الله يمل. Ça veut dire qu'il n'aura jamais نعم de faiblesse dans ces rapports là et dans ces relations intimes. وشهوات الله تنقطع دحما دحما. Prophète صلى الله عليه وسلم il a décrit et on décrit comme le prophète صلى الله عليه وسلم l'a décrit. لا نستحي من ذلك فهو من الحقائق في الجنة. Ça fait partie des vérités du paradis. دحما دحما, c'est-à-dire أن الجماع في الجنة سوف يكون بقوة وإزعاج ودفع. C'est-à-dire que les rapports qu'il y aura au paradis entre les époux, ce sera avec force. Ce ne sera pas avec douceur. Dahman, dahman. Wa qala Nabi alayhi salam, bila mani wa la maniya. Il n'y aura pas de sperme. Il n'y aura pas de ce genre de choses au paradis. Li anna fil jannati laysat hadhihi al-awsakh. Il n'y a pas ce genre de awsakh au paradis. Naam. Laysa fiha mani wa laysa fiha ma qala Allah azza wa jalla. Lahum fiha azwajun mutahhara. Leurs épouses seront pures. جاء في الحديث il est venu dans le hadith prophétique, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit quoi? قال اي مطهره من اي من الحيض والنفاس والمزاق والنجاسه. C'est-à-dire ils n'auront ni le sang des menstrues ni le sang des lochis ni elles ne cracheront ni rien que ce soit. من كل اذى مطهره. Les femmes seront pures de toutes choses. وكذلك في الجنه الناس ياكلون ويشربون. On a cité qu'ils mangent et ils boivent. ومع هذا كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يتغوطون ولا يبولون ولا يتمخطون ولا يبزقون. Ni ils déféqueront, c'est-à-dire ils n'auront pas d'excréments ou ce genre de choses. Comment les nourritures et les boissons vont sortir? Ni par cela, لا يبولون, ils n'auront pas d'urine, لا يبزقون, ils ne cracheront pas, ولا يتمخطون, ils ne moucheront pas, il n'y aura pas tout ce genre de choses, ce de fardalat, ce sont des choses qui sont sales. قال النبي عليه الصلاة والسلام طعامهم جشاء ورشح كرشح المسك. طعامهم جشاء,
c'est-à-dire leur nourriture, elles sortiront comment? Par al-joucha, c'est-à-dire par des rots, al-joucha, wa rashhun, et par la sueur, karih al-misk. Les rots et la sueur ont l'odeur, bien sûr, du musc. C'est comme ça que la nourriture et les boissons sortiront dans leur cœur, de leur corps. Wa nafs al-shay' fal-jima' kama qulna. Fal-jima' la yanqati', les relations qu'il y aura entre les époux, l'homme avec ses femmes ne s'arrêtera jamais. Toujours un désir et toujours un plaisir. La yanqati' al-shahwa abadan. Wa kullama raja'u ila azwajihim wajadahunna abkara. Et à chaque fois qu'ils reviendront vers leurs épouses après avoir fini, ils les retrouveront vierges et chastes. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. نعم مقصورات في الخيام. Des femmes qui resteront toujours dans les tentes. نعم les vierges chastes. حور العين. Toujours elles sont dans des tentes. نعم sur les rives de rivières. Et elles attendront simplement leur mari. نعم elles attendront simplement leur mari. مقصورات في الخيام. Et personne ne les aura jamais vues. أبدا. Depuis qu'Allah عز وجل les a créées, aucune créature ne les a vues. Il n'y aura pas de jalousie dans le paradis. Parce que personne n'a jamais vu ces femmes qui sont des cadeaux pour cet homme-là qui est au paradis. Ni un djinn, ni un homme, ni un ange. Il y a une question. Il y a des relations entre les époux. Est-ce qu'il y a des enfants au paradis? Al-asl anna fil jannati laysa daru. يعني تناسل بمعنى ليس فيه أولاد وهذه الأمور. À la base, au paradis, ce n'est pas une demeure où il y a des enfants ou ce genre de choses. ولكن مع ذلك من عظيم فضل الله. Parce qu'Allah عز وجل, sa grâce est immense. Il est venu dans le hadith que إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة سوف يكون حمله ووضعه وسنه في بعض الروايات يعني رضاعه وشبابه في ساعة واحدة كيف يشتهي. C'est-à-dire le musulman, le croyant, s'il voudra avoir des enfants au paradis, il aura des enfants en un seul instant. C'est-à-dire que la durée de grossesse et d'allaitement et le temps qu'il grandisse, etc., ce sera qu'en un instant et il l'aura comme il voulait. Parce qu'il voulait avoir simplement des enfants. Tout ce qu'il voudra avoir, il l'aura. De toutes les façons. فَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ نَعِيمِ الْجَنَّةِ. Tout ça, c'est simplement un résumé, bien sûr, et simplement une image pour rapprocher ce qu'il y aura au paradis. وَلَكِنْ سَوْفَ يَكُونُ فِي الْجَنَّةِ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّ. Mais il y aura meilleur que tout ça au paradis. Tout ça au paradis, il y a meilleur que ça. مَا هُوَ. فَلَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَوْفَ يُنَادِي أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ لَهُمْ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ هل رضيتم؟ يقولون يا ربنا نعم رضينا. فيقول لهم والحديث أرويه بعنا. فيقول لهم أنا أعطيكم أفضل من ذلك. فيقول يا ربنا وما هو أفضل من ذلك؟ وكما قالوا لقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. الحديث authentique. Allah subhanahu wa ta'ala appellera les gens du paradis et leur dira: est-ce que vous êtes satisfaits de ce que vous avez? Ils diront: bien sûr, nous sommes satisfaits. Et tu nous as donné ce que tu n'as donné à personne de tes créatures. Il dira alors: et je vais vous donner quelque chose d'encore meilleur. Ils diront: comment quelque chose de meilleur? Comment quelque chose peut être de meilleur? Il dira alors: je vous donne ma satisfaction. Je vous autorise ma satisfaction. Khillu alaykum ridwan. Et je ne serai jamais en colère après vous après ce jour. La meilleure des choses que les gens du paradis pourront avoir, mieux que tous ces délices, la satisfaction d'Allah azawajal. Comme a dit Allah, wa ridwanu min Allah akbar, akbar minha, akbar min al-jannah wa kulli dhalik. وجاء في حديث عند ابن ماجه والحديث فيه ضعف ان الله عز وجل سوف يطلع على اهل الجنه وهم في نعيمهم ويسلم عليهم فيقول لهم يا السلام عليكم أهل الجنة فينظرون إليه وينظر إليهم فلا يلتفتون إلى شيء من نعيمهم ما داموا ينظرون إليهم حتى يحتجب عنهم فيبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. Dans un hadith où il y a la chaîne de transmission est faible, عند ابن ماجه,
qu'Allah subhanahu wa ta'ala apparaîtra aux gens du paradis alors qu'ils sont dans leurs délices et leur dira assalamu alaikum. Kama qala Allah ta'ala salam qawlan min rabbir rahim. Yawma yalqawnahu salam. Il leur passera le salam et ils regarderont vers Allah azza wa jal. Na'am. Et tant qu'ils regarderont vers Allah subhanahu wa ta'ala, ils verront Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne penseront plus à aucun délice qu'ils ont connu jusqu'alors. Jusqu'à qu'il se cachera alors d'eux et restera alors auprès d'eux sa lumière et sa bénédiction. وَرُؤْيَةُ الْمُؤْمِنِينَ لِرَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلْ فِي الْجَنَّةِ ثَابِتَةٌ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَفِي الْقُرْآنِ وَهَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ خِلَافًا لِبَعْدِ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ. Le madhab haq, la vérité, sans aucun doute, comme c'est venu dans le Coran et dans les hadiths authentiques, que les croyants pourront voir au paradis, et comme on avait cité au jour de la résurrection, leur Seigneur. Les musulmans et les croyants au paradis pourront voir Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Kalla innahum yawma idin ar rabbihim la mahjoubun. Ayya al-kuffar. Les non-musulmans, le kuffar mahjouboun, ils seront cachés an mada an in nadari ilallah. Ils ne pourront pas voir Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'auront pas cette faveur et cette grâce d'Allah azoujal. Wa qala ta'ala lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Ceux qui auront été bienfaisants, lahum al-husna. Al-husna hiya al-jannah, comme il s'est venu dans le hadith, l'explication du verset. Lilladhina ahsanul husna, le paradis, wa ziyada. الزيادة هي النظر إلى وجه الله كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. Comme le prophète l'a expliqué lui-même, الزيادة, le rajout, en plus que le paradis, c'est le fait de voir Allah عز وجل. Et c'est meilleur que tous les délices du paradis. وقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Ils pourront voir Allah عز وجل. وجاءت في الأحاديث صحيحة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم عيانا. Vous verrez certes votre Seigneur, نعم, par vos propres yeux. وسترون ربكم كما ترون ليلة القمر ليلة البدر. Vous verrez votre Seigneur comme vous voyez la lune, نعم, dans les nuits de pleine lune. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. La tudamuna fi ru'yati. Ça veut dire, Allah, le prophète sallam n'a pas, bien sûr, n'a pas comparé Allah à la lune, mais il a comparé la vision d'Allah à la vision de la lune. Comme tu vois la lune, et comme nous tous, comme un groupe de personnes, et tous les gens de la terre peuvent voir la lune au même instant, sans que la vision de quelqu'un va empêcher la vision de l'autre, et sans s'amasser pour le voir, comme si par exemple quelqu'un que tu verrais de loin, par exemple, les gens, ils vont s'amasser pour le voir, ils vont se faire du mal, ils vont se pousser. Mais pour voir la lune, tu n'as pas besoin de tout ça. Parce que la lune, elle est haute, donc tu peux la voir. Tu peux la voir sans ce genre de choses. Et la même chose, on pourra voir Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. Tous ceux qui seront au paradis pourront voir Allah azawajal en même temps. Qala an-nabi alayhi salatu wassalam, fa in istata'tum alla tughlabu an salatin qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Si vous pouvez, c'est-à-dire ne pas être endormi, naam, et ne pas vous endormir pour faire une prière avant le lever du soleil et avant son coucher, c'est-à-dire la prière de l'Fajr et la prière de l'Asr, wa hum al-bardan, man salla al-bardayn dakhala al-jannah, faites-le. Wa qara'a qawluhu ta'ala fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla al-ghurub. Ces deux temps qui sont le temps avant le coucher du soleil et avant le lever du soleil. قبل الشروق وقبل الغروب. Ce sont deux temps qui sont bénis. وكذلك في الأمم قبلنا, même les communautés qui étaient avant nous, les prophètes qui étaient avant nous, certains ils faisaient leurs prières, c'était dans ces deux temps. كداود عليه السلام, David, le prophète David, داود عليه السلام. وسبح به كان داود الأيل إنه أواب إن سخرنا الجبال يسبحنا معه يسبحنا نعم بالعشي والإشراق. العشي والإشراق, العشي هو هذا بعد صلاة العصر قبل الغروب. العشي والإشراق, c'est-à-dire au moment du lever du soleil, un peu avant le lever du soleil.
العشي والإبكار بالغدو والآصال. Tout ça, ça veut dire, c'est ces deux moments de la journée. Et ces deux moments de la journée, le prophète alayhi sallam, en parlant de la vision d'Allah Azzawajal, le fait de voir d'Allah Azzawajal au paradis et le jour de la résurrection, il a parlé de ces deux moments de la journée où il fallait faire ses prières. Et c'est pour ça qu'il est venu dans un autre hadith où le prophète sallam, il a dit, et il a informé, que les meilleurs des gens du paradis, c'est-à-dire les meilleurs, al-muqarrabun al-mumayyazun, afdaluhum, ils pourront voir Allah Azzawajal deux fois dans la journée. Warubbama, et comme je vous ai dit, peut-être que justement ce sera dans ces deux moments de la journée. Ils pourront voir Allah Azzawajal deux fois. Ce seront les meilleurs. Wa'amatu ahli al-jannah, la plupart des gens du paradis, sawfa yarawna Allah Azzawajal fil jannati kulla jumu'ah. Ils pourront voir Allah Azzawajal au paradis chaque jour du vendredi. Kulla jumu'ah. Yawm al-jumu'ah mubarak. Ce jour, c'est un jour sacré, même au paradis. Et ils pourront voir Allah Azzawajal ce jour-là, le jour de Jumu'ah. Comme جاء في حديث علي مرفوعا فذكرت في الاحاديث انهم سيجتمعون, c'est-à-dire qu'ils verront Allah Azzawajal alors qu'ils seront, ils se rassembleront dans une assemblée dédiée pour cela, une assemblée pour voir Allah subhanahu wa ta'ala. Ils s'assembleront dans cette assemblée في واد افيح, une assemblée large où ils auront alors des bijoux, نعم, des cadeaux, du parfum, toutes belles choses ou tout genre de choses. وَيَتَجَلَّ اللَّهُ لَهُمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Et Allah Azza wa Jal se montrera alors à eux. وَيُخَاطِبُهُمْ وَاحِدًا وَاحِدًا, et leur parlera à chacun. وَهَذَا أَفْضَلُ النَّعِيمُ عَلَى الْإِطْلَاقِ النَّظَرَ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ. Le fait de voir Allah Azza wa Jal, الْخَالِقُ الْكَامِلُ فِي صِفَاتِهِ وَذَاتِهِ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ, le parfait, l'absolu, نعم, Allah سبحانه وتعالى. فالإنسان l'homme, dans sa nature humaine, il cherche la perfection. Il cherche la perfection. Certaines personnes la cherchent dans les femmes, d'autres dans les voitures, d'autres dans l'argent. Il cherche la perfection car il cherche son bonheur. Et il ne trouvera que son bonheur que dans la perfection. Mais le croyant, qui est connaisseur d'Allah Azzawajal, il sait que la perfection n'est qu'en Allah. Et donc, le bonheur, dans cette vie et dans l'au-delà, tu ne pourras l'avoir qu'en Allah Azzawajal. Dans cette vie, en obéissant à Allah Azzawajal, tu auras ton bonheur. En te rapprochant d'Allah, tu auras ton bonheur. En connaissant Allah Azzawajal, tu auras ton bonheur. Et dans l'au-delà, en pouvant voir Allah Azzawajal. Parce que bien sûr, voir Allah Azzawajal, personne n'a jamais vu Allah Azzawajal dans cette vie, même les prophètes. Mais dans l'au-delà, lorsque tu verras Allah Azzawajal, si Allah te permettra cela, ce sera ton bonheur. Parce que c'est la perfection. Et voir l'être parfait donne à l'être imparfait le bonheur éternel. فَهَذَا أَفْضَلُ النَّعِيمِ فِي الْجَنَّةِ نَظَرُ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ وَنَخْتِمُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِسُوقِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلِلْفِي الْجَنَّةِ سُوقِ. Il y aura au paradis un marché. كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةِ, chaque jour du vendredi. Wa sayahubbu min hada wa fi hada as-souq rih ash-shamal. Un vent qui soufflera donc dans ce marché-là lorsque les gens, les croyants seront dans ce marché et les croyantes. Wa yabuthu fi wujuhihim wa thiyabihim al-misk. Et ce vent leur jettera sur leurs habits et sur leur visage le musc. Wa yazdaduna bidhalika ar-rih husnan wa jamal. Ils auront, grâce à ce vent, ils acquerront de plus de beauté encore, na'am, qu'ils avaient auparavant. Wa yarji'una ila ahlihim fa yaqulu lahum ahluhum wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamala. C'est-à-dire leurs épouses dans les tentes et dans les châteaux au paradis leur diront alors qu'ils sont partis au marché et sont revenus, certes par Allah vous nous êtes revenus encore plus beau que vous étiez avant. Ils diront, et vous aussi par Allah, vous êtes encore plus beau, plus belle que vous étiez avant lorsque nous avons laissé. Kullu dhalika min fadlillahi azza wa jalla. Mimma dhakarna fima yata'allaqu bi al-janna. Wa lil-jannati rih kama ta'lamun, bien sûr, le paradis a une odeur. Le paradis a une odeur. Qala Allah ta'ala wa yudkhiluhumul jannata
عرفها لهم. قال بعض العلماء عرفها لهم من العرف، والعرف هو الريح الطيبة، أي طيبها لهم. C'est un paradis qui les a, donc il l'a parfumé pour eux. عرفها لهم. نعم. وفي الأحاديث الكثيرة، dans plein de hadiths prophétiques où le Prophète صلى الله عليه وسلم dit وإنه لا يوجد مسير ريحها من مسيرة كذا وكذا. Et certes, l'odeur du paradis est peut-être sentie de la distance de tel et tel. De la distance de 40 ans, de la distance de 70 ans, de la distance de 500 ans, comme il est venu dans plein de hadiths qui montrent que le paradis a une odeur. Naam. Wa lil jannati baha'un wa nour. Wa qad qala Abdullah ibn Abbas anna manzar al janna, c'est-à-dire l'apparence du paradis et la lueur du paradis, la lumière du paradis, c'est la même scène et la même lueur et la même couleur que tu trouves juste avant le coucher du soleil. C'est-à-dire la lueur orange virant vers le rouge, c'est cette genre de lumière qu'il y a au paradis. Allahu Akbar. Bidun shams, sans qu'il y ait de soleil ou quoi que ce soit. هذا بهاء وحسن الجنة والجنة يزداد دائما, et le paradis ne cesse, il ne cesse de s'embellir à chaque jour et à chaque jour, et cela dans l'éternité, cela إلى آخر وفي الخلود وإلى آخر ما ليس له آخر في الجنة, alors qu'il n'y a pas de fin pour les gens du paradis qui seront au paradis. وفي الجنة كذلك سماع, il y aura des sons, des beaux sons que pourront entendre, des chants. قيل من غناء حور العين, il a été rapporté dans certains hadiths que les vierges chastes chanteront, auront certains chants que les gens du paradis pourront entendre, et ils auront un délice d'entendre ces voix. وقيل من أصوات الملائكة, certains ils ont dit par les voix des anges. من التسبيح نعم والتحميد وكذلك أهل الجنة, même les gens du paradis, à la place de la respiration, ils feront des tasbih et des tahmid. Subhanallah, alhamdulillah, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. وكما قال الله عز وجل دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. لا تسمع في الجنة لغوا, au paradis tu n'entends pas de paroles grossières, de paroles futiles. Non, tu n'entends pas de d'insultes ou de ce genre de choses. La fiha la tasma'u fiha lagwan wa la ta'thima. Non. Wa la takdhiba. Non, pas de gens qui vont dire toi tu as menti, toi tu n'as pas menti. Yukadhibu ba'dhum ba'dhan. La tasma'u illa salaman salama. Tu entends simplement assalamu alaykum alhamdulillah subhanallah. Et ce ne sera pas une kulfa, ce n'est pas difficile de dire ces azkar. كما قال الناس في الحديث يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. Ce sera aussi facile pour eux de faire ce tasbih et tahmid comme le fait de respirer, aussi simple. نعم. Parce que ce ne sera plus une demeure de amal, une demeure d'action et une demeure de fatigue, mais une demeure simplement de récompense et de rétribution pour les alliés d'Allah Azza wa Jal, pour les rapprochés d'Allah Azza wa Jal, qui ont craint Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون وهذا قيل أنه هو لهذا الغناء والسماع تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون كما قال الله سبحانه وتعالى. وصفات الجنة طبعا لا ينقضي الكلام عنه. En fait, on ne pourra jamais finir de parler du paradis en réalité, mais ce n'est simplement que le fait de rapprocher ses ma'ani, rapprocher ses sens, rapprocher et nous pousser, inshallah, à faire les œuvres pour pouvoir entrer au paradis dans ces dernières nuits, ces derniers jours du Ramadan, qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala sa grâce et sa miséricorde afin qu'il nous fasse rentrer au paradis bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. فنسأل الله العلي العظيم أن يدخلنا الجنة. اللهم أدخلنا الجنة. اللهم أدخلنا الجنة. اللهم أدخلنا الجنة. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الجنة.
وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة، اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك الكريم، اللهم إنا نسألك لذة إلى النظر إلى وجهك الكريم، اللهم إنا نسألك رضوانك، اللهم إنا نسألك أن ترضى عنا ولا تسخط بعده أبدا، اللهم ارضى عنا ولا تحل علينا غضبك، اللهم لا تحل علينا غضبك ولا سخطك، اللهم ارضى عنا واعف عنا وسامحنا، اللهم اعف عن ضعفنا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ومعاصينا وتقصيرنا، اللهم لا تعذبنا، اللهم إنا نسألك أن تنجنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار ومن غضبك يا عزيز يا غفار، اللهم ارحمنا أجمعين واغفر لنا أجمعين ولإخواننا المسلمين في كل قطر وكل مكان، اللهم كن لإخواننا بمصر وكن لإخواننا بسوريا، اللهم كن لهم لا عليهم، اللهم كن لهم مؤيدا وناصرا، اللهم عليك بعدونا وعدوهم، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارحمنا جميعا واغفر لنا جميعا وتقبل منا قيامنا وصيامنا وأعمالنا الصالحة وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم تقبل منا قراءتنا للقرآن، اللهم تقبل منا ختمنا للقرآن، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تب علينا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.